Monsieur le ministre, Madame et Messieurs les représentants des ministres des États membres de l'Union, je voudrais me réjouir de votre présence à ces réunions. Je sais que le calendrier des uns et des autres est particulièrement chargé à l'orée de cette période de vacances. Votre présence ici témoigne donc de la place importante que chacun de vous accorde au secteur de la culture. Mesdames, Messieurs, c'est une question essentielle que je voudrais partager avec vous, alors que nous allons nous prononcer sur des projets de textes qui vont régir la production, la circulation et la conservation de l'image dans notre espace. Nos experts qui nous ont précédés depuis mardi ont déjà approfondi et affiné les projets des directives. Et je suis sûr que la bonne qualité de rapport nous permettra d'avancer assez vite dans notre travail. C'est sur cette note d'espoir et en souhaitant plein succès à vos travaux, à nos travaux, que je déclare ouverte la réunion des ministres en charge de la couverture de la culture des États membres de l'Union pour l'examen des projets de texte communautaire. Je vous remercie de votre aimable attention. La cérémonie d'ouverture de la réunion a été présidée par Madame Aissata Aminengo, directeur de cabinet du commissaire chargé du département du développement humain à la commission de Lyomois. Dans son allocution, Madame Aminengo, après avoir situé le contexte de la réunion, a indiqué qu'après avoir pris connaissance des trois projets de directive le 23 mars 2018, le Conseil des ministres statutaires a décidé de reporter leur examen pour une prochaine session. C'est pourquoi, tenant compte des deux années déjà écoulées, depuis l'approbation des tests par les ministres en charge de la culture, le président de la commission a souhaité mettre à profit cet ajournement pour réunir à nouveau les ministres en vue de s'assurer de leur adhésion et de leur soutien au processus initié par la commission avant la présentation de ces tests au prochain conseil des ministres. Ainsi, elle a invité les experts à réexaminer en profondeur les différents projets en vue de prendre en compte d'éventuels aspects qui leur auraient échappé lors des concertations antérieures et de se prononcer sur les dispositions qui seraient devenues caduques au regard des évolutions enregistrées. Je voudrais donc aborder l'examen du projet de directive portant harmonisation des dispositions relatives aux droits d'auteur et aux droits voisins dans le secteur de l'image au sein de l'UMOA. La Commission a indiqué que ce projet de directive vise à assurer un environnement harmonisé de protection de la propriété littéraire et artistique dans les États membres de l'UMOA. En effet, la modernisation et l'harmonisation des législations nationales sur les droits d'auteur et le renforcement de leur application font partie des actions d'accompagnement du programme d'action commune pour la production, la circulation et la conservation de l'image au sein des États membres de l'UMOA qui insiste sur la nécessité de rendre effective et efficace la protection des droits de propriété littéraire et artistique dans les États membres. Le constat a été établi qu'il n'y a pas de marché possible pour le cinéma et l'audiovisuel sans la garantie du respect des règles de rémunération des créateurs et de leurs ayants droit. La Commission a noté que tous les États membres de l'UMOA disposent d'un cadre législatif sur la propriété littéraire et artistique, mais certaines législations sont en retard sur les évolutions les plus récentes. D'autres présentent des différences susceptibles de constituer des entraves aux principes de base de l'Union. L'étude comparée des tests nationaux a permis d'identifier ces questions et de faire des propositions de solutions ou de recommandations visant, premièrement, une modernisation des législations nationales en retard sur les évolutions importantes intervenues notamment dans le cadre de l'OMP. Deuxièmement, un rapprochement des législations sur les questions sensibles au regard des règles de l'Union. Et troisièmement, de meilleures opportunités pour les États membres de développer des actions conjointes ainsi que la mise en commun des expériences et des méthodes de lutte contre le piratage. La Commission a terminé en soulignant que l'harmonisation des dispositions relatives
aux droits d'auteur et aux droits voisins dans l'Union, facilitera la libre circulation des biens et des services culturels, assurera une concurrence loyale et équilibrée dans le marché intérieur et redonnera un essor à la production et à la circulation de l'image dans l'espace du monde. Suite à cette présentation, un débat a été ouvert pour des observations d'ordre général sur la forme et le fond. À l'issue de ces échanges, le projet de directive amendé a été approuvé à l'unanimité des experts. J'aborde maintenant l'examen du projet de directive portant cadre réglementaire pour la production et la circulation de l'image au sein de l'UMOA. Dans sa présentation, la Commission a tout d'abord indiqué que ce projet s'inscrit dans le cadre du programme d'action commune pour la production, la circulation et la conservation de l'image au sein des États membres de l'UMOA, partie intégrante du programme de développement culturel de l'UMOA, PDC-UMOA, adopté en 2014. La Commission a également indiqué que l'état des lieux du paysage audiovisuel et cinématographique des États membres de l'UMOA est caractérisé par une hégémonie d'images venues d'ailleurs. Aussi, le programme vise-t-il à redonner aux États membres de l'UMOA une capacité durable de produire des images cinématographiques, télévisuelles et vidéographiques et de faire de leur circulation un facteur de meilleure connaissance et d'intégration. L'objectif principal visé par le projet de directive est, d'une part, de fixer des règles communes pour la production et la circulation de l'image à l'échelle sous-régionale et, d'autre part, d'harmoniser les réglementations nationales afin de constituer le cadre d'un marché régional de l'image dynamique. En conclusion, l'adoption du projet de directive permettra de diversifier la programmation des diffuseurs audiovisuels, d'accroître la diffusion des programmes originaires des États membres de l'Union, d'accroître le taux de diffusion des œuvres audiovisuelles et cinématographiques de l'espace communautaire, d'encourager l'émergence d'une industrie audiovisuelle par la mise en œuvre de politiques de coproduction et d'échange de programmes et d'améliorer les capacités de rentabilisation d'un secteur en pleine évolution. À l'issue des échanges, le projet de directive amendé a été approuvé à l'unanimité des experts. Troisièmement, maintenant, j'aborde l'examen du projet de directive portant dépôt légal des documents audiovisuels. Dans sa présentation, la Commission a indiqué que l'objectif principal de ce projet de directive est d'harmoniser le dépôt légal des documents audiovisuels au sein des États membres en vue de la constitution, la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel de l'Union. De façon spécifique, il s'agit de, premièrement, collecter et conserver les documents audiovisuels de l'Union, deuxièmement, constituer et diffuser des bibliographies nationales, troisièmement, développer la coopération entre les organismes dépositaires de l'Union et quatrièmement, de sauvegarder la mémoire culturelle et collective. La Commission a indiqué qu'elle a réalisé une étude diagnostique sur la situation des documents cinématographiques et audiovisuels qui a révélé que les États membres de l'UMOA éprouvaient d'énormes difficultés dans la collecte et la conservation de leurs archives, en particulier les documents audiovisuels. Cette étude a aussi révélé l'insuffisance et ou l'absence de protection juridique des documents audiovisuels dans la plupart des États membres. Pourtant, l'importance et le rôle du patrimoine audiovisuel et de la production audiovisuelle dans la société du savoir à l'ère des technologies de l'information et de la communication exige d'excellentes conditions de collecte, de traitement et de sauvegarde de la mémoire de chaque État membre et partant de la mémoire collective de l'Union. C'est pourquoi, dans la perspective du passage au tout numérique, l'opportunité s'est présentée de saisir la transition pour faire une captation 24 heures sur 24 de l'ensemble
de la production des télévisions et radios des États membres. L'intervention de la Commission se justifie par l'échéance du basculement vers le tout numérique intervenu graduellement depuis 2015, avec des contraintes, notamment l'obligation pressante d'adapter la collecte, le traitement et la diffusion de l'information aux technologies de pointe qui accompagnent ce processus. À travers ce projet de directive, il s'agit de donner forme à une recommandation du plan pluriannuel de sauvegarde de conserver et de valoriser des documents audiovisuels qui préconisent une harmonisation des tests et une mutualisation des moyens des États membres à l'effet de créer les meilleures conditions de conservation et de valorisation du patrimoine audiovisuel de l'Union. Sur ce projet de directive, les échanges ont essentiellement porté sur les questions de forme. Les experts ont par la suite approuvé le projet de directive avec quelques amendements. Recommandations. À l'issue des travaux, la Réunion a formulé les recommandations suivantes à l'endroit des États membres. Premièrement, assurer l'encadrement juridique de la diffusion des œuvres audiovisuelles par satellite de sorte à garantir les droits des auteurs, interprètes et producteurs de vidéogrammes sur les territoires d'exploitation des signaux porteurs de programmes. Deux, restituer les conclusions des présents travaux au ministre en charge des Finances en vue de faciliter l'examen des directives lors de la session du Conseil des ministres. Trois, renforcer le cadre de collaboration entre les organismes de gestion collective de l'Union en vue de rendre effectifs les accords de réciprocité. 4. Œuvrer à l'établissement d'accords cinématographiques et audiovisuels entre les États membres. 5. Prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de mettre en place et d'opérationnaliser le dépôt légal des documents cinématographiques et audiovisuels dans les États membres. À l'endroit de la Commission, soumettre les projets de test approuvés à l'adoption du Conseil des ministres de l'Union à l'occasion de sa session du mois de septembre 2018. 2. Poursuivre diligemment la mise en œuvre du programme de développement culturel de l'UMOA, PDC UMOA. Je l'avoue en présence d'un rapport qui est très bien ficelé, qui est très bien articulé et dont le contenu est assez édifiant. Assez édifiant, d'autant que en matière de cinématographie, ou si vous voulez, d'œuvres audiovisuelles ou globalement l'image, ce sera vraiment une avancée assez notable dans nos pays respectifs. Vous devez suggérer que nous puissions faire une recommandation sur l'harmonisation de la question de l'ancrage institutionnel du dépôt légal dans nos pays, ce qui va faciliter le travail à la fois des administrations, des partenaires et des fêtières. Nous avons raison de faire le travail qui a été fait. Moi, je n'ai pas d'objection de la part du Sénégal. Et si c'était le cas pour tous les États ici présents, je propose que par acclamation, qu'on adopte les textes. Le 17 juillet 2018, s'est tenue dans la salle de réunion du Conseil des ministres, au siège de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, une réunion des ministres en charge de la culture des États membres de l'Union. La réunion a porté sur l'examen de trois projets de test communautaire dans le domaine de l'image. La cérémonie d'ouverture a été présidée par M. Abdoul Latif Koulibaly, ministre de la Culture de la République du Sénégal, en l'absence du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports de la République du Bénin, président du Conseil des ministres. Elle a été marquée par deux interventions. Prenant en premier la parole, Dr. Dramane Konaté, conseiller technique représentant le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, empêché, a souhaité la cordiale bienvenue aux différentes délégations. Il a remercié la commission de l'UMOA pour les initiatives engagées pour accompagner les différents États membres
dans la mise en œuvre de la politique de développement culturel de l'Union. Dans son allocution d'ouverture, M. Abdoul Latif Koulibaly, ministre de la Culture de la République du Sénégal, a remercié les autorités du Burkina Faso pour la qualité de l'accueil et les marques d'attention dont les délégations ont été l'objet. Il a ensuite félicité le président de la commission de l'UEMOA pour les multiples initiatives qu'il ne cesse de déployer dans le cadre de sa feuille de route en vue d'accélérer le processus d'intégration régionale au bénéfice du bien-être des populations de l'Union. Il s'est réjoui de ce que la commission de l'UEMOA ait pris, dès après l'adoption de la politique de développement culturel de l'Union en 2013, la mesure du rôle d'impulsion qu'elle est appelée à jouer en proposant de s'attaquer au défi de la création d'un environnement juridique communautaire favorable au développement du secteur de la culture. Tout en rappelant que les textes soumis à l'examen du Conseil avaient déjà été examinés au cours de la réunion des ministres tenue à Dakar en septembre 2015, il a terminé en invitant les ministres à saisir l'occasion du report de l'examen de ces textes par le Conseil des ministres statutaires pour s'assurer de leur applicabilité et pour y apporter de nouvelles contributions au regard des évolutions enregistrées dans le secteur. Organisation et déroulement de la réunion. Les travaux de la réunion ont été dirigés par le bureau composé comme suit. Président, M. Abdoul Latif Koulibaly, ministre de la Culture du Sénégal. Rapporteur, premier rapporteur, M. Assoumana Malam Issa, ministre de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale du Niger. Deuxième rapporteur, M. Fousseni Dembélé, directeur de cabinet représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. Troisième rapporteur, M. Ernest Guillaume Sossou, directeur de cabinet représentant le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports du Bénin. L'ordre du jour a porté sur les principaux points suivants. Compte rendu des travaux de la réunion des experts. Examen et approbation des projets de directive divers. Suite à l'adoption de l'ordre du jour, le professeur Filinga Michel Savadogo, commissaire chargé du département du développement humain, a réitéré au nom de la commission de l'UEMOA la bienvenue aux représentants des États membres. Il a informé la réunion que les ministres absents se sont excusés pour des raisons de calendrier. Il a indiqué que leurs représentants sont munis de mandat et donc que la réunion pouvait délibérer valablement. Il a conclu en invitant les ministres à soutenir le programme de développement culturel de l'Union, notamment les textes soumis à leur examen en vue de leur présentation au Conseil des ministres statutaires de l'Union avant la fin de l'année. Présentation du compte-rendu de la réunion des experts. Les ministres ont entendu le rapport de la réunion des experts présenté par le représentant du comité des experts en charge de la culture. À l'issue de la présentation du rapport, les ministres ont procédé à un échange sur les principales conclusions. Les discussions ont porté sur, premièrement, la question du rapprochement des législations sur les questions sensibles. Deuxièmement, la nécessité de redynamiser les organisations œuvrant dans les différents domaines de la culture et leur regroupement à l'échelle de l'UEMOA. Troisièmement, la nécessité de généraliser la mise en place des bibliothèques nationales dans les États membres et l'élaboration d'une législation communautaire en la matière. Quatrièmement, la transposition des directives dans les législations nationales et leur mise en œuvre effective. Cinquièmement, l'harmonisation de l'ancrage institutionnel du dépôt légal des documents audiovisuels au sein de l'Union. Sixièmement, la question des statistiques culturelles nécessaires pour convaincre de l'importance du secteur de la culture et de ses retombées sur les économies. Les ministres ont relevé que les textes amendés sont à la hauteur de leurs attentes et ont réaffirmé leur adhésion
aux différents projets. À l'issue des échanges, les ministres ont réaffirmé et approuvé le rapport des experts ainsi que les recommandations qu'il contient. Les ministres ont examiné et approuvé les projets de directive ci-après. Projet de directive portant harmonisation des dispositions relatives aux droits d'auteur et aux droits voisins dans le secteur de l'image au sein de l'UEMOA. Projet de directive portant cadre réglementaire pour la production et la circulation de l'image au sein de l'UEMOA. Et enfin, projet de directive portant dépôt légal des documents audiovisuels. Ils ont invité la commission de l'UEMOA à soumettre de nouveau ces textes au Conseil des ministres pour adoption. Divers. Aucun point n'a été soulevé en divers. Clôture des travaux. Au terme de ces travaux, la réunion des ministres en charge de la culture a approuvé les projets de directive soumis à son examen et a invité le Conseil des ministres statutaires à adopter les 10 projets. Les ministres en charge de la culture ont adressé une motion spéciale de remerciement à son Excellence M. Roch Marc-Christian Kaboré, président du FASO, au gouvernement et au peuple du Burkina Faso, et une motion de félicitations à l'endroit de la commission de l'UEMOA. Les travaux de la réunion des ministres ont pris fin par l'adoption d'un communiqué final. Fait à Ouagadougou le 27 juillet 2018, le président de séance. Voilà, on a fait du bon travail, c'est vraiment la satisfaction totale au niveau de la commission de l'UEMOA, en particulier au niveau du président Abdallah Bourema, président de la commission qui est actuellement en mission et qui nous a chargé vraiment de vous remercier. Il savait le contexte assez difficile de la tenue de cette réunion parce qu'il a les informations sur la sous-région. Et donc vraiment c'est la joie de parvenir à ce travail de qualité-là avec la présence de deux dynamiques influents ministres et de représentants valables des ministres absents. Donc, merci à tous et merci aussi à mes collaborateurs qui ont travaillé pour que vous ayez quand même des bases pour pouvoir avancer dans le travail. Et bon retour dans vos foyers. Encore mes vives salutations à tous. Et moi, je ne serai pas, je crois, plus long, sauf pour rappeler, comme disent les juristes, que le droit est à un moment donné la codification d'ambition, d'une vision et en vocation de prendre en charge les besoins d'une société et d'une communauté humaine. Monsieur le commissaire, vous avez pris en charge les besoins de la communauté de l'UEMOA, qui va, je crois, au-delà des attentes des ministres de la culture que nous sommes. Et pour ça, on vous félicite, à travers vous, on félicite naturellement le président, M. Bourema, et l'ensemble des experts de la communauté qui ont réussi à nous présenter ce texte. Nous l'avons adopté avec beaucoup de fierté, mais d'attente également, d'ambition. J'espère que dans nos pays réactifs, dans nos pays respectifs, nous serons réactifs en intégrant de la façon la plus harmonieuse ce texte qui nous a été proposé. Et que la prochaine conférence de validation le fera sans qu'une seule discussion nous soit ouverte. Parce que ce texte satisfait l'ensemble des ministres techniques sectoriels. Et nous espérons que ce sera fait très rapidement. Et qu'à la suite, les ministres de la culture que nous sommes soyons disposés à prendre toutes les dispositions utiles dans nos pays pour les traduire de façon concrète dans la réalité quotidienne des citoyens. Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai présidé et bien ensuite demande, comme c'est Filiga, l'acceptation d'ailleurs insistante de mon jeune collègue, je sais qu'il aurait été beaucoup plus brillant à ma place, mais enfin, voilà, il a accepté que je sois le président en l'absence de mon collègue du Bénin qui assure la présidence d'un exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Merci à vous tous. Je vous souhaite un heureux retour chez vous, sans oublier de féliciter encore de nouveau les autorités de Burkina Faso et l'hospitalité qui nous a été offerte en terre des pays des hommes et des hommes intègres. Je suis un peu gêné de le dire parce que nous parlons un peu tout à l'heure des femmes, mais moi je dis des femmes et des hommes intègres.